deuxième demi-finale. Pour l'instant, Alain Akbira, le 1 qui prend problème. Ah, il connaît, mais heureusement, parce que la position kick, j'allais bien se sentir PV, pas de problème. La bombe en tech trap, il saute par-dessus, bien évidemment, mais il manque de Kira Lervé. Elle saute par-dessus la bombe. Kira saute par-dessus la bombe, bien joué. La part de Ekmaster, qui revient dans ce match après avoir mal commencé la chop. Voilà, la chop en B qui passe complètement. Le speedrun invisible, Ekmaster qui se protège. Encore, c'est un buffet. Un A. Warcraft échappe en B derrière, dans le plus vite du Warcraft. Bien joué de Kerrigan qui prend un round avec Master, un très très bon joueur de Kira. Encore un coup de B, un A, ça passe à l'infini, fini évidemment par le Kira Bordeaux. En Just Time, Wesson-Kick, ça passe la bombe, fini directement par Eggmaster, il prend pas de risque, encore, Mangus sur la relevée, il déchoppe, avec finalement encore, ça passe complètement dans la garde, il se met pas sur le deuxième, là, Eggmaster, et Kerrigan qui sait finir, voilà. Un kick dans sa garde et c'est fini direct, pas de problème. Avant B, le guard break, ça passe derrière. Oh, voilà, en coup de terre, elle répare la match, la position de frame, dommage. Elle a tenté l'impossible dans son dos. En demi-finale, c'est pas grave, on a un A plus B, on a un A, ça suffit. Voilà, il regarde qui frappe un peu, je sais pas, c'est qui passe dans la garde, mais c'est A plus B, ce A plus B de Natsu, qui fait absolument tout, la pizza, le hot dog, et puis là, bien joué. Avec le guard impact. Ah, la bombe qui passe cette fois-ci. Elle n'arrête pas la vague trop. Ça fait très très mal en dégâts. Voilà, super bien joué. Ça passe par counter. C'était une bombe cancel. Voilà, bien joué avec le 6 PB. Voilà, 6 P. Manette, le match dans la guerre. Bien joué de la part de la bombe. Ah, avec le position A. Ah, elle donne une fil à tendre avec Master. Qui tente de revenir pour ne pas totalement perdre. Et Kerrigan qui élimine Master. La team en bourre. Enfin, de totalement rouler.